Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette où je vous propose de réaliser des cordons bleus maison. Alors l'originalité de cette recette, c'est que nous allons les réaliser sous forme de ballotines. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin de 4 filets de poulet, 8 tranches de copa, 8 tranches de comté, 3 œufs entiers, 100 g de farine et 200 g de chapelure. Pour réaliser nos cordons bleus, on va tout d'abord venir ouvrir nos filets de poulet. Donc c'est très simple, vous mettez votre filet de poulet dans le sens de la longueur et vous venez tout simplement les ouvrir, vous voyez, sans aller jusqu'au bout, voilà, comme ça, avec un couteau. Vous retournez ensuite votre filet de poulet et vous venez faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, vous venez ouvrir un peu votre filet de poulet comme ceci. Et on va faire cela avec nos 4 filets de poulet. Une fois les filets de poulet coupés, nous allons mettre une casserole d'eau chaude à chauffer. Donc là, j'avais préalablement mis l'eau dans la casserole, donc maintenant je me la mets à bouillir. Maintenant, nous allons prendre nos filets de poulet, comme ceci, et nous allons les aplatir. Donc vous mettez votre filet de poulet sur votre planche à découper, vous recouvrez votre filet de poulet d'un papier sulfu, vous allez prendre le dos d'une casserole et on va venir taper sur les filets de poulet afin de les aplatir. Donc maintenant, on va mettre sur la planche à découper du papier film. Donc comme ceci, vous voyez, on vient étaler le papier film sur la planche. On vient y déposer le filet de poulet comme ceci au milieu. On assaisonne de sel et de poivre. Et on vient y ajouter les 2 tranches de copa. Donc voici la première, la deuxième, et on ajoute ensuite les 2 tranches de comté. Donc c'est très simple, là je viens de les couper en deux, et on vient les mettre comme ceci, dans le sens de la longueur. Et maintenant, nous allons rouler le tout. Donc on va prendre le papier film, et on va venir serrer comme ça la ballotine, regardez, comme ceci, en exerçant une pression. Donc on y va gentiment tout en serrant bien le tout. Regardez, on avance gentiment, voilà, comme ceci. Et maintenant, on vient, voilà, serrer le tout. Voilà. Et maintenant, on vient la replacer au centre. On vient couper le film, voilà, comme ceci. Je reroule ma ballotine, voilà, comme ça, une deuxième fois, voilà, bien roulé, et je viens couper le papier film. Et maintenant je tourne aux deux extrémités, voilà, en serrant bien, voilà, comme ceci, sur le plan de travail, en faisant rouler. Voilà, et maintenant, votre ballotine est réalisée. Regardez, voilà. Donc maintenant, nous allons procéder à la cuisson des ballotines. L'eau est maintenant à frémissement, donc je vais baisser un peu l'intensité de la plaque et je vais venir plonger pendant 3 minutes, voilà, parce qu'elles font à peu près un diamètre de 2 cm. Donc 3 minutes, mes ballotines, on les met délicatement. Et une fois les 3 minutes écoulées, on va venir les retirer et on va les réserver au frais pendant une demi-heure. Mes ballotines sont maintenant refroidies, nous allons maintenant les paner. Donc j'ai préalablement battu l'œuf en omelette et j'ai rajouté du sel et du poivre. Donc nous allons prendre la ballotine et on va venir couper les extrémités comme ceci pour ensuite sortir notre ballotine. Vous voyez, on enlève le film comme ceci, voilà, délicatement, sans casser
Voilà, on coupe les extrémités comme ceci. Voilà, et on vient sortir la ballotine. Voilà. Je fais pareil avec la quatrième. Donc on pré-cuit tout simplement, comme ça on gagne en temps et on est sûr que la volaille, bien sûr, à l'intérieur est cuite. Donc je vous donne une astuce, vous pouvez très bien réaliser ces ballotines la veille, les garder au réfrigérateur et le jour même, vous n'avez plus qu'à les paner et à les cuire. Donc, une fois le papier film enlevé, vous venez mettre votre ballotine comme ceci dans la farine. Donc, on plonge bien aussi les extrémités. Voilà. Et après, vous tapotez entre vos mains pour bien enlever l'excédent de farine. Et après, vous venez directement le mettre dans le jaune d'œuf. Une fois que vous avez mis dans le jaune d'œuf, vous tournez. Pareil, vous faites bien attention que vous avez bien de l'œuf sur les extrémités. Et après, voilà, on prend le temps d'égoutter un tout petit peu et on vient mettre le tout dans la chapelure. Et après, on vient napper deux chapelures. On l'enroule bien, voilà, délicatement, voilà, pour ne pas enlever la chapelure sur le cordon bleu. Voilà, on vient plonger les extrémités et après, on vient le déposer dans une assiette. Donc, on fait pareil avec les quatre ballotines. Mes cordons bleus sont maintenant terminés. Je vais procéder maintenant à la cuisson. Donc, je vais les plonger dans un bain d'huile en leur donnant un peu de coloration. Et après, je viendrai les déposer dans ce plat à four pour ensuite les cuire encore une petite dizaine de minutes au four. Donc, on plonge maintenant les cordons bleus, donc un par un, comme ceci, vous voyez, gentiment dans l'huile. On les tourne. Voilà. C'est juste pour leur donner de la coloration. Voilà, on y va gentiment, sans les casser. Donc bien sûr, si vous avez une friteuse chez vous, vous pouvez utiliser une friteuse. Voilà. Et une fois que j'obtiens une belle coloration, je viens les retirer et je les dépose dans mon plat à four. Donc je fais comme ceci avec les autres. Voilà, gentiment dans l'huile. Je viens de sortir les cordons bleus du four. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, regardez, c'est splendide. Et là, je vais vous en couper un en deux. Regardez, pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc on le coupe délicatement. Voilà, et regardez, vous avez le poulet, là j'approche, comme ceci, voilà. Vous avez le poulet, la coppa, et vous voyez, vous avez bien le fromage fondu. J'appuie, regardez, qui est bien fondu au milieu. Donc, ça va faire le plaisir des petits et des grands. Voilà, regardez, le fromage est en train de fondre, c'est super. La recette est maintenant terminée. Donc je vous donne une petite astuce, si toutefois vous voulez réaliser ces cordons bleus, le mieux c'est de réaliser les ballotines la veille, comme ça le jour même vous n'aurez plus qu'à les paner et les cuire. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !